Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Alors bonsoir messieurs, bonsoir. On a été coupé, par nos amis commandants. Vous êtes qui ? Moi, c'est Tonton Hassan, copatron Drift Motor. Oh, très belle société, très très belle société. Merci, merci. Et vous venez ici par rapport à ce qui s'est passé en ville ? Pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, vous savez, la culture des... Les abeilles ? Oui, mais oui. Et oui, sur le parking central qui ont attaqué plusieurs citoyens. Donc, ah oui, ah oui. Ah non, pas du tout, on n'est pas au courant. Non. Ah, monsieur le commandant, est-ce que je peux vous parler vite? Oui, deux secondes, je vais d'abord la chasse à monsieur. On reprendra notre. Oui, allô? Oui, tonton, je vais t'envoyer une position dans pas longtemps. Ah oui, on arrive. Tu viens seul, ok? Seul ou à deux? Non, avec ton pote si tu veux, mais tu me ramènes pas de flic ou quoi que ce soit. Oui, bah bien sûr, tout de même. Ok. A tout de suite, bisous, prends ton traitement. A tout de suite. Oui. Oui. Cooper, Sterling Cooper, oui. viens, on y va. Présent. On doit aller, voilà. Oui, on doit aller dans un endroit. Oui, bah on sait pas, on connaît pas la sortie. Oui, vous voulez venir pour Madame Cooper? Alors, est-ce que vous disons qu'on a un dossier. Oui, dites-nous où c'est, on vous rejoint là-haut. Voilà, on vous rejoint. Monsieur, faut pas. Bah on descend. Vous nous faites. Donc venez à la sortie, il faut qu'on prenne la sortie. Bah dites donc. Oui, donc oui, on aimerait vous rejoindre. Oui, donnez-nous cette position. Là, on n'a pas. Donc soit vous m'accompagnez en hélicoptère, soit je prends vos numéros et je vous contacte en tant que. Oui, prenez votre numéro. Oui, prenez notre numéro, oui. C'est quoi ? Parce que là, il y a un client. Alors, qui nous a appelé. Oui, un client Marquez. Pour une affaire de barbecue qui aurait dégénéré. Ça finit par 2872. À cause d'abeilles. Vous avez entendu parler d'une culture d'abeilles qui aurait dégénéré, mais... 2872, oui. Non, pas dans la culture d'abeilles. Très bien, bah allez, faire votre truc, on va faire notre truc, et on vous appelle sur mes, ça va ? Très bien, très vite. Allez, bonne soirée. Oui. C'est ta voiture, donc, mais comment on s'est pas garé comme ça, dis donc. Mais c'est quoi cette histoire ? Ah bah bravo les monsieur les avocats. Ah, on s'était pas garé comme ça à la base. Ça, c'est quelqu'un qui nous a fait une bêtise, je pense. C'est vous que vous étiez garé comme ça? Oui, c'est vous qui nous avez foncé dedans? Bah non, vous étiez garé comme ça quand je suis arrivé. Ah non, je peux vous assurer. On était bien garé. Écoutez, on connaît la loi et on sait encore se garer, monsieur. J'en doute pas. Regardez comment il va bien conduire. Oui, regardez. De toute façon, y a pas de véhicule ici. Regarde notre véhicule. Ah bah il est parti. Ah, il m'a roulé sur pied. Non, tout de même, s'il vous plaît. Connais la loi, monsieur. Et on connaît l'hôpital. Porte plainte, prends. Allez, bon, il faut partir. Bon, écoute, je pense qu'on va rejoindre les filles et on va voir un peu ce que ça va donner. D'accord. Mais je vous avoue avoir des petits frissons. Oui, bah écoutez, on est là pour la justice, mon cher Cooper. Oui, bah on connaît la loi tout de même. C'est bien, on voit pas est-ce que c'est comment envoyer des coordonnées? Parce que c'est quand même bizarre. Oui, elle sait faire péter des bombes, couper des têtes, mais les coordonnées. Bon, je vais vous demander d'être un peu sérieux sur cette affaire. Oui, bien sûr, bah là, on a intérêt, si vous voulez. Oui, allô ? Oui, ma petite Effie, c'est ton oncle préféré. Oui ? Je crois qu'on est tout seul. Vous êtes où ? Bah, tout seul. On n'est pas suivi, quoi. Okay. On n'est pas suivi. Je vous donne une position, je bouge. Oui. Quand tu dis traitement, elle avait vraiment un traitement, Cooper ? Oui, elle avait un petit traitement, oui. Spécifique ? Non. 3 mg d'encéphalamine, 8 mg d'épinéphrine, mais bon. Oui, dans la vache, c'est un éléphant. C'est un traitement assez lourd, tout de même. Oui. Je constate. Certainement de grosses migraines. Oui, moi, bon, de la folie aussi, une bipolarité, mais rien d'inquiétant, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une tendance suicidaire chez ta nièce? Bah, pour information. Jusqu'ici, non, mais bon, écoute, peut-être. En tout cas, elle a bien changé en 2 semaines. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de lui parler tout de même. Peux-tu mettre une épicerie là, sur le chemin? Regarde que nous sommes pas suivis au cas où. Hein. J'observe, tu connais mon talent pour oui, guider. Bah oui, mais il faut voir et regarder. Arrête-toi maintenant. On n'est pas suivi. Arrête-toi. On n'est pas suivi, tu peux y aller. On a fait double tentative. Je sais pas encore quelle bêtise. Oula, ce chemin de terre me semble défendu. Juste pour de la ville. Juste pour une boisson ou un sandwich, c'est cher payé tout de même. Nous allons dans un coupe-gorge. Mais bon, on connaît la loi tout de même, on pourrait s'en sortir, je pense. Oui, bah, je sais pas dans cette ville quelle est la tolérance à la mort. Je vous attends ici, mon petit oui. Sterling. Bah, oh, si c'est une petite épicerie très cocasse. Hein. Je laisse la mallette, hein. Oui ? 5 pains à 640$, 5 bouteilles d'eau à 500$. Je ne sais pas comment va l'économie dans cette ville, mais ça va. Alors, je crois qu'elle ne sait pas envoyer des coordonnées.
Bon écoute, mange, substante-toi. Oui, je me substante et je vais même fumer une pipe. Et on va attendre... On a un hôpital, dis donc, pour celui qu'il est ouvert. Regarde-moi ça. Oui, on est pas, tu dis rien. Oui. Je t'attends dans la voiture. Oui, je reviens. Bonjour. Au revoir. Il n'y a personne de toute évidence. Oh, dis donc, les coordonnées. Voilà. C'est très bizarre, elle m'a dit de venir seule. Est-ce que tu penses qu'on devrait prendre de l'essence maintenant, mon cher Sterling? Il faut répondre vite. Je ne pense pas. Très bien. Il faut finir de manger vite, en tout cas, mon cher Sterling. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est dans 5 km j'aurai fini de manger. Vous croyez qu'il y a des radars sur l'autoroute? Je ne pense pas. Non, parce qu'il y a des villes où il y a des radars sur les autoroutes. Oui, je sais bien, mais, oui. Mais je ne pense pas que là, ce soit la priorité de cette ville de mettre des radars. Oui, mais enfin bon, si le sandwich, c'est 500 balles, oui, imaginez l'amende pour excès de vitesse tout de même. Ce que j'espère, c'est qu'à la limite, je peux avoir confiance en ta nièce de façon mesurée, mais si elle est avec des acolytes terroristes qui l'ont transformée en 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Oui, je serai le premier d'accord avec toi. Voilà. Je serai le premier d'accord avec toi. Et puis Cooper, encore une preuve que la police est incompétente et les serait les gens crevés. Eh ben, dites donc, note un peu tout ça. Je te demanderai de garder ton cerveau, évidemment, durant cette affaire. Là, moi, je vais te laisser gérer la situation. J'espère que la nervosité ne fera pas toquer. Hein, oui, bien sûr. T'as pris ton traitement aussi, d'ailleurs. Voilà, allez, on y va. Oh, j'ai été flashé, dites donc. Ah ben voilà, on a notre réponse. Mais tu la payeras. On m'a dit, ils m'ont prélevé directement $250 de mon compte. Ah bah c'est moins cher qu'un petit sandwich, ça va. Oh oui, mais tu crois qu'il y a un système de points ou pas? Dis-moi. Je viens d'avoir passé le permis, Cooper. Bah dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Business Center, on est au bon endroit? Bah écoute, allons voir. Bah dis donc, c'est pas ici. Bon. Est-ce qu'il y a un parking ici, tu crois? Oui, t'es où? T'as reçu ma position, non? Oui. Parking, tonton. D'accord. Bah dis donc, il y a un parking ici, pareil. Bah dis donc. Bah oui. Bah dis donc. Le parking souterrain, je suppose. Attends, je lève ma tête. Mais allons voir, ça doit être en dessous. Oui, bah oui. On y va en voiture? Je ne sais pas. Peut-être que laisser une voiture ici, nous appartenant, n'est pas le meilleur des... Ah, le parking là! Alors? Bah écoute, je ne vois rien, il y a peut-être un second étage. Oui. Ah bah non. Non. C'était de toute évidence l'autre bâtiment qui était stipulé, mon cher Stéphane. Oui, il semblerait que là, c'est conformément à la loi, il s'agit d'une gestion... D'une erreur de GPS. Ah, mais regarde, qu'est-ce que tu... Ah, là, on a notre réponse. Attends. Oui, ça va. Dans ma vie, t'as peut-être pas tout compris. Oui, ce sont nos clients, certainement. Oui, bah oui, ton attaché caisse peut-être. Oh. Oui, je la prends toujours avec. Oh bah j'ai rien vu, je vais retourner. C'est bon, vous pouvez venir. D'accord. Oh. Tu es sûr? T'es sûr? Tout va bien. Coucou tonton. Ça va? Ça va et toi? Oui, bah oui, t'as bien cherché, dis donc, en 2 semaines quand même, hein. Ah bah il s'est passé beaucoup de choses, hein. Bah oui, fais bisous, quand même. Oh là là, tu t'es même fait tatouer. Oh bah t'as un tatouage rapide, dis donc. Un magnifique tatouage. Oui, c'est des... Ouais, j'ai un tatouage, je lui ai mis mon flingue sur la tête et je lui ai dit: t'as intérêt à me tatouer vite, sinon que je te fais péter la tête. Et c'est incroyable. Du coup, son œil, elle a transpercé mon corps de droite à gauche. Un peintre Picasso. Vraiment quelque chose de... Ah. Et concernant ton traitement, ma petite Effie? Quel traitement tu parles? Les 3 mg d'encéphalamine et les 8 mg de bilifinifrine. Oh non, je pense, tonton, que t'es juste pas au courant de tout ce qui se passe dans ma vie depuis un long moment. 2 semaines, quoi. Oui, bah puis... À cause de mon connard de père. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous un peu la situation. Excusez-moi. Oui, monsieur. Ah, il en manque une, du coup. Très bizarre. L'otage du Sud, elle se trouve où? Très beau tatouage en dos, je l'avais pas vu, ça doit faire mal. Je vais vous donner un petit indice. C'est une belle voiture, ça. Ça fait piou-piou. Ils ont un otage parce que je vois pas d'otage. Ça fait piou-piou, elle est méchant comme moi, on adore ça. Je vois pas d'otage en coffre, peut-être dans le coffre, je ne sais pas. Vous avez l'air... Vous boudez? Je crois qu'elle ne parlait pas, elle est au téléphone de tout. Ah oui, autant pour moi. Ah, mais ça doit quand même vous changer de... Ton porte-document. Ah bon? Tu veux plus gros pour son quoi? Ben non, il te le faut. Ok. Eh ben j'imagine pas comment vous allez les arrêter quand je vois comment vous débrouillez avec moi dans ce cas-là. Bon courage, hein. Là, toi. Allez, bisous. Non, je le vois pas. Oui, tonton. Oui, bah oui, bah qu'est-ce qui se passe, tonton? C'est embêtant. Et puis, que t'arrive-t-il? Et puis, il faut qu'on parle de toute évidence. Tu as des petits problèmes en ce moment et on aimerait régler ça de manière à l'amiable. Alors qu'en fait, la police nous a dit... Alors, peut-être, je pense... Oui, que mais c'est pas bien de tuer les gens, dis donc. La police nous a dit que tu appartiendrais à un groupuscule terroriste. Alors non, je suis toute seule. Je suis terroriste, peut-être, mais je suis toute seule. D'accord. Et terroriste, c'est un grand mot. Il y a quand même
deux personnes derrière toi pour quelqu'un de tous. Non, mais ça, bien sûr, tu n'as rien vu, hein. Non, d'ailleurs, il n'y a personne. Mais la question que je me pose, c'est que qu'est-ce que tu revendiques en tant que terrorisme ? Vous avez pas regardé mon interview ? Alors, moi, la question que je me pose surtout, c'est pourquoi t'es devenu terroriste tout de même ? C'est bah, pas faudrait bien, que tu regardes mon interview, tonton. Oui. Je pense que tu comprendrais beaucoup de choses. Bah oui, bah écoute, tu m'enverras ça. C'est la fois où tu m'as vu la dernière fois que j'arrêtais pas d'être occupé. Oui, il y a deux semaines, oui. J'avais un chef de cartel sur le cul qui menaçait de me buter si je lui ramenais pas 2 millions de dollars. Oui, bah, à cause de mon enculé de père. Est-ce que ce serait pas un certain Diego au hasard ? Si, effectivement, il s'appelle comme ça. T'es en bon terme avec ce Diego ? Ah, non, pas vraiment. D'accord, et si tu le balances, est-ce qu'il y a moyen que tu allèges ta peine ? Mais balance, c'est de quoi ? Tout le monde est au courant de qui est Diego, c'est pas comme si qu'elle se cachait. Non. A priori, sauf la police. Si tu balances sa position. Mais tout le monde sait qu'il habite à Cayo Perico. Cayo Perico, attends. Cayo Perico. Tout le monde le sait. Hein. Avec deux L. Mm-hmm, mm-hmm. Oui. Et c'est quoi ton projet final là ? Parce que tout de même, t'as une secte gothique. Écoute, non, pour t'expliquer ce qui s'est passé. Pendant des mois, j'ai été prise par les couilles pendant que papa a disparu par ce putain de Diego, d'accord ? Mm-hmm. D'accord, je note. Quand. Papa a été rattrapé par son passé. Ah bah oui, tonton ! Parce que toute l'argenterie en or que tu voyais à la maison, et les théières en porcelaine, et les milliers de dollars de papa, c'était de l'argent détourné, et de l'argent qu'il avait fait avec ce fameux Diego. Oui, moi je t'ai toujours dit que ton père avait des petites arrières idées un peu spéciales. Oui, il est pas, toute évidence, pas comme moi. Hein. Voilà, non, pas... Oui, effectivement. Sauf qu'en fait, il a arnaqué ce mec-là. Et donc oui. Il s'est attiré des foudres de voilà. Ce monsieur. Et sa mère tombait dessus. Parce que du coup, quand il est revenu à Los Santos, et qu'ils se sont croisés, ce mec-là, il a vu qu'il avait une fille. J'ai fini enfermé dans une cage avec une panthère et des morceaux de viande humaine, tonton. Oh, oui, c'est terrible, ma petite fille. C'est terrible, ma petite fille. On va sortir de là, ma petite fille. Hein. Voilà. Horrible. Quand papa a appris toutes les galères qui se passaient, au lieu de rester avec moi et me sortir de la merde, il m'a laissé gérer ça toute seule. Il est où ton papa actuellement ? Il était là tout à l'heure et là. Mais là, il nous regarde, ton papa. Donc écoute, ça me plaît pas. Voilà. Non, je crois que c'est le terme. Et puis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à défaut d'avoir un père convenable. D'accord, et qui s'occupe de toi convenablement, tu as un oncle, d'accord ? Tu as un oncle qui t'aime. Tu m'écoutes, tes filles, s'il te plaît. Donc, et par ailleurs, tu as un autre tonton quelque part. Voilà, je vais te demander quelque chose. D'accord, crème de bowling. Tu vas, s'il te plaît, c'était mérité, Sterling. Ah tu vas, s'il te plaît, faire en sorte de sortir de ce merdier. Ouais, bah c'est ce que je fais là. Non, c'est pas en prenant des gens en otage avec des armes. avec des armes, voilà, qu'on résout les problèmes. Il y a des lois, il y a une juste. Oh bah dis donc. C'est toi, Saïfi, non ? Je peux te dire qu'avec ça, je résous beaucoup de problèmes. Parce qu'en une fraction de seconde, il n'y a plus rien. Non, oui, d'accord. Range ça, Saïfi. Ça sert à rien de... Voilà. Écoute, s'il te plaît, Saïfi, ne ressors plus ces trucs-là en ma présence, d'accord ? Donc, c'est trop tard, tonton, tu comprends pas ? C'est pas trop tard. Écoute, Effie, tu peux sortir de là. La seule issue, c'est la mort qui t'attend si tu continues comme ça. Il faut pas que tu meurs, tu comprends ? Parce que si tu meurs, je ne suis plus... Écoute ! Si tu meurs, je ne suis plus personne dans cette ville. Et on va fermer notre bureau d'avocat, c'est ça que tu veux ? Donc tu préfères quoi ? Que je finisse enfermé dans des barreaux avec Je préfère que tu fasses les choses bien pour sortir de ce merdier. Mais j'en sors ! Mais comment en Ah oui, les gens en prenant en otage les citoyens. Oui. Attends, je vais t'avouer un truc. La police, tu sais ce qu'elle nous a dit. Écoute-moi bien, écoute-nous de tes deux oreilles, ma grande. La police nous a dit qu'ils te recherchent pour une arrestation à perpétuité. Est-ce que tu veux de la perpétuité ? Non. Est-ce que tu veux la mort, Effie ? Non. Donc, non. Je tu veux la t'en sortir. Du président au bout du drapeau américain. C'est qui le président ? Beaucoup de choses changent dans cette ville, alors. Déjà, note, s'il te plaît, Sterling. Notre président, je sais pas qui est un président. C'est qui le président ? Carmel Cray. Et lui tu veux quoi de ce monsieur ? Tu veux quoi de ce monsieur ? Attends, s'allume une clope, tu vois pas ? Ah, ouais. C'est une belle clope. T'as pas la suite. Bah oui, mais il faut le dire. Il faut la dire. C'est ton moment. Oui, donc je t'explique. Après toute cette merde, j'ai la police qui m'a approché avec un capitaine sous l'axe. Il est mort. Oui, je sais, il est mort. Paix à son âme. Non. En même temps, comme je disais, avec un nom comme ça, on connaît la loi. Il soulrax plus personne. Voilà. Ouais. Il a soi-disant voulu m'aider, sauf que la seule chose qu'il voulait, c'était la tête de Diego. Tout le monde en avait rien à foutre que j'avais ce mec au cul avec 2 millions de dollars. Toujours quand il est mort, j'ai le FBI qui m'a approché, d'accord ? Mm-hmm. Le FBI, il m'a promis un plan.
un plan. Il restait 5 jours. Au bout de ces 5 jours-là, j'allais mourir si je les avais pas ces 2 millions. Donc j'ai voulu leur faire confiance, plus ou moins, je leur ai dit d'accord. Sauf que pendant ces 5 jours, ils ont décalé leur plan. M'ont rien proposé au niveau financier, m'ont pas proposé d'endroit pour me cacher, carte d'identité, rien. Ils en avaient rien à foutre, tu comprends ou pas, tonton? Ok. Est-ce que tu as les preuves de tout cela? Non, et dans tous les cas, ils marchent avec la police, donc. Il n'y a pas de police, on connaît la loi. T'inquiète pas. Bon, écoute, de toute évidence, on est d'accord que la justice, à travers le FBI et à travers. Attends le la suite! Se sont moqués de toi! Oui, totalement. Ils en ont rien eu à foutre. Ils voulaient juste choper Diego et ils m'ont laissé dans la nature avec un putain de terroriste au cul, ok? Très bien. C'est pas ma faute! Oui, oui. Et après, j'entends. Et on va t'aider, on va te sortir de là, ma petite fille. Diego m'a appelé et m'a dit: écoute-moi bien, je t'enlève toute la dette sur le dos et tu restes en vie si tu fais une chose pour moi. Je lui ai dit quoi? Ramène-moi le chef du FBI. Et j'ai accepté, putain! Et c'est lui l'otage que tu as là maintenant? Non, ça c'est d'autres personnes. Ah d'accord. Donc j'ai accepté, tu vois. Parce que t'étais pris au piège. Oui, donc du coup je lui ai ramené le chef du FBI. Et parce que t'étais un petit peu con et FIFA. Je veux dire, tu peux pas négocier avec la police, leur garantir leur opposant, et négocier avec les opposants pour garantir la police. Mais quelle police, tonton? Quelle police on a ici? Dis-moi. On veut savoir. Dis-nous. Laissez-moi finir mon histoire. On te laisse. Bon, ensuite ce chef du FBI a été un petit peu torturé, hein, rien de bien méchant, puis il a été relâché dans la nature. Le lendemain, il nous a fait un faux piège en nous expliquant qu'il avait le président, qu'il allait nous aider, ceci, cela, c'était un peu sa pièce de monnaie d'échange pour laisser, pour qu'on lui ait laissé la vie sauve. Jusque-là, moi, j'étais tranquille. Diego me rappelle et me dit, va voir. J'ai été voir, c'était un piège du FBI, j'ai failli me faire choper. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pour comprendre l'historique. À ce moment-là, tu n'avais tué encore personne, n'est-ce pas? Ah non, non, pas là. Tu étais encore l'innocente petite fille, nièce de tonton Cooper. Ouais, j'ai juste une pression monstre pendant des semaines. D'accord, je comprends. Là, je comprends. C'est pour la compréhension. En fait, j'allais mourir si je faisais pas tout ça, c'est ça que vous comprenez pas. Mais justement, et sachant qu'on est dans un pays d'incompétents, bah, j'ai pris celui qui m'a tendu plus ou moins la main et me l'a mordu en même temps. C'était ça ou crever, en fait. Oui, t'aurais dû en parler à ton oncle avant. Oui, vous voulez que je fasse quoi la dernière fois? Coucou tonton, papa, en fait un énorme fils de pute qui m'a laissé avec un œuf de cartel sur le dos. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Il fallait dire ça. Il fallait dire ça, dis donc. Après ça, je pensais être enfin tranquille, tu vois. Sauf que non, je l'étais pas du tout. Entre temps, j'ai appris qu'il m'a balancé au gouvernement et à la police. C'était un ami à mon ex. Il est mort. D'accord, bon ça c'est... Voilà, on en parle plus. Bah, on oublie l'histoire. C'est la fin de l'histoire là déjà. Va au but. Oui. Si tu veux que j'aille au but, j'ai kidnappé la meilleure amie du président et j'ai mis mon flingue dans la bouche pour lui faire comprendre que je voulais un hélicoptère pour me barrer de ce pays. Il a refusé, du coup je lui ai arraché les dents. Ensuite j'ai trouvé qui m'avait balancé à la police, au gouvernement. J'étais complètement sous meth parce qu'il y a un fils de pute qui est amoureux de moi, qui m'a fait prendre de la meth, qui m'a fait bouffer un cœur humain, qui m'a mis dans un cercle de feu et qui en plus de ça m'a violé, tonton. Alors, qui est donc cette personne? Répéter à partir de cercle de feu. Qui est donc cette personne? Je peux pas t'en parler de ça. Comment ça Non, si, il faut que tu parles à tonton, là. Le cannibalisme, je coche oui. Hein. C'est Mads, le chef des bakers. Bon, écoute. Et donc, du coup, bah, j'ai trouvé celui qui m'avait balancé pour rien. Il est assassiné, je lui ai coupé la tête et j'ai joué au foot avec devant le gouvernement. Bien sûr, une petite partie de football. Oui, une petite partie de football, c'est pas non plus. Une petite partie de soccer, comme on dit ici. Écoute, Effie, c'est une belle vie bien accomplie que tu as fait là. Maintenant, voilà ce que je te propose. Tu vas te canaliser, tu vas arrêter de prendre en otage. C'est compliqué, sachant que je viens d'organiser une chasse à l'homme là maintenant avec les filles. C'est qui l'homme? Patrouille en hélicoptère. Qui est l'homme? Qui est le chasseur? Bah, j'ai kidnappé 4 femmes, je les ai habillées et coiffées exactement comme moi. Je les ai placés nord-est, sud-ouest de la ville et j'ai commencé à dire au keuf qu'il devait se dépêcher à les trouver, sinon je les butais une par une. Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi? La révolution. Oui, d'accord. Oui, Effie, le traitement toujours. Non, c'est pas. Écoute. On peut faire blader la fouille là, je pense. Non, vous comprenez pas. Parce que vous aimez votre putain de métier, mais vous comprenez pas qu'on est dans un pays de merde. Écoute, vous comprenez pas que le gouvernement il en a rien à foutre des gens, que la police en a rien à foutre des gens. Elle en a encore moins rien à foutre. C'est en leur montrant que c'est des merdes, en les poussant au bord du gouffre, en montant ce peuple contre ce putain de pays, qu'on va faire bouger les choses. Bien sûr, vous serez utile quand on sera dans un pays clean, avec des gens corrects, honnêtes comme vous. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant que j'y repense, ça n'a pas de tort. Désolé de rigoler, parce que c'est vrai que te voir autant changer en 2 semaines, ça me paraît quand même assez cocasse, cette petite histoire. Mais n'importe quoi, hein. Ça fait au moins 6 mois qu'on s'est pas vu, tonton. Effie, tu respires tout de même. Oui, mais il y a 2 semaines, tu me parlais quand même d'un homme qui travaillait dans une usine de chips. Oui. Ouais, en fait, c'était la société de papa et il disait de la drogue avec lui. Il est mort? Je sais pas. J'ai pas de nouvelles. Bon, donne-moi le pourcentage que ta révolution fonctionne. Moi, je dirais 1. Oui, déjà 1, ça serait bien quand même. C'est déjà un bon objectif. Effie, s'il te plaît, tu te rends compte que si tu te mets le président, le FBI, la police ainsi que tous les gangs de la ville sur le dos, tu as à peu près aucune chance de réussir ton but. Tu veux la mort? Attends, je finis. Calme-toi, Sterling, s'il te plaît. C'est ma nièce, je finis. Donc,
Je répète, est-ce que tu penses qu'en se mettant le président, le FBI, la police, ou tu sais, la police, il y en aura tout le temps. Ça, c'est, ça se prolifère très très vite. Ainsi que tous les gangs de la ville, tu vas t'en sortir. Oui ou non? Ah, j'ai pas tous les gangs de la ville. Mais peu importe, on n'est pas là pour les compter. Réponds, FI. Donc ton pourcentage de révolution à la con, là, il y a combien de chances que ça réussisse? Beaucoup. Combien? Je veux des chiffres. Selon la loi, je veux des chiffres. Je veux un planning. 60% de chance, 60%, d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. Et tu veux que je fasse quoi? Que je me rende à la police, c'est ça? Non, tu peux négocier avec la police. On peut faire un pourparler. Le pourparler te garantit l'immunité. Légal. Écoute, je ne veux pas te voir mourir. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle et me dise que tu es mort. Tu comprends, Effie? T'as pas eu un père digne de ce nom, mais t'as au moins un oncle digne de ce nom. Oh, c'est beau, je le note. Donc, tu me trouves une autre solution que ta révolution à la con. Excuse-moi, oui, j'aime mon boulot, d'accord? Mais j'aime ma famille aussi, tu comprends, Effie? Ouais, ok. Donc, compris. Tu fais un petit effort et t'arrêtes de kidnapper des gens qui t'ont rien demandé parce que c'est pas bien. Tu aggraves ton cas, tu peux t'en sortir. Est-ce que quel tu est ton objectif en dehors de ta révolution? Bah, oui, je vais élever mon bébé, tonton, c'est tout. Non, quel bébé? Écoute. Bah, je suis enceinte, je vous l'ai dit deux fois, mais je crois que vous étiez pas vraiment. Non, mais... de qui? Je sais pas encore. De où? Oui, depuis combien de temps? Ça fait 4 mois apparemment, et ben, prends la pilule du lendemain de 4 mois. De 4 mois, dis donc. Non, mais écoute, le bébé, c'est une autre préoccupation. Est-ce que tu veux que ton bébé meure? Non. On est d'accord. Bah donc, oui, mais j'ai pas envie de me rendre non plus. Tu vas pas te rendre. On te demande pas de te rendre, d'accord? Mais on te demande pas non plus de faire une révolution. Nous sommes pas dans un jeu vidéo, là. Ok. Non, c'est-à-dire, écoute-nous, très serré. Là, les choses sont très graves, Effie. Oui. C'est que tu es dans un engrenage. Et vois-tu, un engrenage, c'est un système de roues, avec des petits crans. Et quand une roue tourne, une autre roue tourne, qui fait tourner elle-même une multitude de roues. N'est-ce pas? Alors que la première roue n'est pas au courant que la dernière roue engendre des catastrophes. Et c'est ce qui se passe pour toi. Tu es bloqué dans cet engrenage. Et pour toi, le seul moyen de t'en sortir, c'est de faire des actions coup de poing d'une violence extrême qui, finalement, là où tu crois qu'ils vont amener à un but, sont en train de te déconstruire et de t'amener à ta propre perte. Est-ce que tu veux tenter un pourparler avec signature de la justice, signature du FBI, signature du commandant et de la préfecture, de ce que tu veux, d'accord, de la terre entière, FI, pour discuter face à face avec le commandant actuel? Ça ne coûte rien. Est-ce que tu serais capable de ne pas t'énerver? J'ai déjà rencontré lui. Non, d'accord. Tu ne l'as pas rencontré, d'accord. Est-ce que tu serais capable de discuter intelligemment de manière à faire en sorte de sortir de ce pétrin? Sans grenade. Ok, mais il me laisse partir derrière. Et autre point. De quoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il me laisse partir derrière. Oui, bien sûr. C'est le but d'un pourparler. Sinon, il y a pas de pourparler. Maintenant, est-ce que tu es prêt à travailler avec ton oncle et moi-même dans le but de donner des informations pour l'arrestation de certains Diego quelque chose? C'est pas vraiment mon camp, tu vois. Diego, c'est ton ami ou pas? Non. Attends, parce qu'au bout d'un moment, moi, je est-ce que Diego t'a fait du bien? Mais j'en ai rien à foutre de Diego, il peut crever demain. Et ben, Diego, répète-toi ça dans la tête, Diego, tu l'enculé. Excuse-moi le langage chartier, mais il faut que les mots rentrent. Tu fais ton business avec la police, tu t'en sers, c'est ton outil. La police, c'est pas tes copains, c'est ton outil. Et tu l'utilises, tu négocies avec eux pour l'arrestation de Diego, et toi, tu te décharges de tout problème et tu calmes le jeu. Je pense que pour l'instant, il faut éviter de faire parler la poudre et faire parler les cerveaux. Effie, tu es quelqu'un de très intelligente, d'accord? Tu es né et issu d'une famille intelligente, donc pose un peu les choses. J'ai déjà parlé au capitaine, pas avec nous. Nous, on sera là. Ok, faites votre truc. Dans tous les cas, vous n'êtes pas lâché la grappe, donc faites votre merde. Effie, calmez-vous. Appelez-le. Bon, je vais l'appeler, j'ai pas son numéro. Est-ce que j'ai son numéro? Je l'ai appelé au moins 40 fois aujourd'hui, donc l'appelle pas, donne-lui son numéro. Bah, on va vite décaler, hein. On va décaler très très vite. Oui, hein. Oui, est-ce que tu veux qu'on monte avec toi? Ouais. On vous suit. Qu'est-ce qui se passe tout donc? Attends, mais. Le monsieur vient pas du coup? Il est pas comme les autres, bougez pas. C'est un très bon avocat, mais c'est vrai qu'il ne comprend pas tout. Oui, Sterling. Oui, j'attends, oui. Non, il faut que tu viennes dans la voiture. Ah, mais vas-y, on nous suit. Oui, tu vas dans le coffre, s'il te plaît. Bon, non, je vais pas dans le coffre. Non, je vais pas dans le coffre. Si, il faut aller dans le coffre. Non, monsieur, allez dans le coffre, s'il vous plaît. Allez-y, montez. Merci, je connais la loi. Mettre sur le GPS notre destination, s'il vous plaît. Dites-moi où aller, par contre, parce que rester ici et croiser une voiture, ça me fait peur. Il y a des sirènes qui arrivent. Ah, ok, vas-y. Roule, 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 roule.
Accélère, Grouper, rouleau, dis donc. C'est pas immobile, frère. Et on n'est pas frère, monsieur, je ne vous permets pas. Roule doucement. Pourquoi tu lui as donné le volant? Bah oui, mais dites donc, mais ça, il faut pas, ça. Oh là là, j'ai pris un feu rouge, ça va me coûter cher encore, ça. Sterling, je fais quoi? Je ralentis, oui, on va pas attirer peut-être de mauvaises personnes. Conduis doucement, pourquoi tu te presses? Mais je stresse. Il y a ma nièce qui dit des trucs bizarres, il y a deux hommes qui cagoulés derrière, tu vois, il y a tout pour stresser. Mais non, tout va bien, frère. Là-bas dans le coffre, d'ailleurs. Ça a l'air d'aller. Monsieur, vous pourrez sortir du coffre, monsieur. Allez, Tyrese. Vous allez bien, monsieur? T'es bien là-dedans? Non, je l'arrangerai pas. Il y avait des chips. Attendez, je vais mettre le véhicule quand même à l'ombre. Non, parce qu'on est chips et manger. Bon, le véhicule est caché. T'es plutôt doué. Eh oui, il m'a des fellatures, tu sais, ça me connaît. Les fameuses fellatures. Je ne sais pas où est-ce qu'on va dans cette histoire, mon cher. Est-ce que je devrais cacher la voiture? Non, non. Attends, je reviens. Je reviens. Oui. Oh bah, dis donc. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez vu ma nièce par ici? Oui, bien sûr, elle est à gauche, monsieur, allez-y. Très bien, merci beaucoup. Et elle est au bar. Ok, pas de soucis. Tu veux une bière, tonton? Oui, j'ai caché le véhicule. Oui, une petite bière, oui, dites voir. Est-ce que t'as de la bière sans alcool? Non, j'ai que de la bière pour Zom. Zom? Qu'est-ce donc? Ouais, c'est un ami à moi qui dit ça, tiens. Oui, bon, bah, allez, une petite bière alors. J'ai mon attaché caisse tout de même à l'entrée. J'ai ma petite bière là même. Ben oui, mais oui, mais ne faisons pas les impolis. Je vous fais une visite? Est-ce que c'est la priorité? Et puis, j'ai envie de te dire. Bah, je sais pas, on a quand même parlé de sujets lourds. Autant se détendre l'anus maintenant, non? Où est la bière? Nous, on peut t'organiser le pourparler, ma belle Elfie. Mais il faut en contrepartie que tu donnes le maximum d'informations concernant Diego. Nous ne connaissons pas ce Diego, c'est rien de personnel, c'est juste que pour t'en sortir, c'est la seule. Sinon, il n'y a pas de solution. Tu vois ce que je veux dire? La main ou la prison? Quatre planches ou quatre murs? Je me suis permis de prendre un petit verre de whisky tout de même avant cette petite bière, d'accord? Oui, bien sûr. J'ai besoin de me rafraîchir un petit peu. Donc tu vois ce que je veux dire? Et puis... Ouais, je vois, mais ça me plaît pas trop, quoi. Écoute, ma petite Effie, là, ça va pas du tout, d'accord? Il faut que j'arrête déjà de parler en buvant. Et ensuite, il faut canaliser la situation. Là, tu vas droit dans le mur. Est-ce que crescendo. Ben oui, écoute, là... écoute. Oui. J'accepte d'aller au rendez-vous, mais je te dis pas que je vais coopérer. Et le problème, c'est que là, ils me recherchent plus que tout, à tel point que c'est mort ou vive, donc crois-moi qu'ils vont pas me laisser partir aussi facilement. De toute façon, avant d'aller les voir avec toi, on va les revoir. Et moi, je ne veux pas m'aller avec eux. Écoute, et en fait, j'ai l'impression, je veux pas qu'on me force la main, je ne veux pas leur parler, je veux leur dire. Personne. Je veux leur destruction. Tu les détruiras. Oh, putain, elle est vraiment bonne cette bière, dis donc. Elle est bien fraîche, voilà. Très très fraîche. Tu les détruiras, c'est pas le problème, d'accord? Mais, s'il te plaît, je vais garantir, quoi qu'il arrive, que si tu dois discuter avec les forces de l'or, tu as toutes les garanties pour t'en sortir et pour partir. C'est juste un pourparler. Effie, je peux te déranger 2 minutes ou pas? Oui, tu peux. On m'a dit de te transmettre qu'actuellement, si jamais à l'hôpital, il y a énormément de forces de l'ordre et peut-être le FBI devant l'hôpital. Je prends des photos. Et... Voilà. Ok. C'est un bel homme. Un bel homme, j'aime beaucoup son truc. En fait, tu m'aurais dit ça il y a une semaine, je t'aurais dit d'accord. Et le truc, c'est que ce que tu me demandes là, je l'ai déjà fait il y a 5 jours. Bon. Et sans nous. Nous, ça va tout changer. Non, nous, mais on, écoute, est, la, on est la donne qui va non, tout changer. Non, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Effie, regarde-moi dans les yeux. Hop, je pose cette bouteille. On veut pas te forcer la main. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Si tu ne veux pas tenter, ne le fais pas. Si tu restes dans tes idées, fais-le. Moi, je veux juste que tu ne meurs pas. Si mais jamais mais tu mais meurs, je vais vivre. Je quitte la ville. Tu comprends ou pas? C'est une menace de la plus haute importance. Si tu meurs, on ferme ce bureau d'avocat. Et on retourne dans le Massachusetts. D'accord, mais je veux juste une chose. Laquelle? Dis-moi tout de suite. Et ça, Diego peut me l'apporter, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux de Diego? Et est-ce qu'on peut lui parler là, ce Diego à la con là? Non, mais c'est quoi? Comment ça nous casser les couilles? Oui, non, mais écoute, tout le monde commence à me casser les couilles. Prends-moi en photo, parce que là, je suis dans mon meilleur profil. Là, j'entends parler, depuis que je suis dans cette ville, de Diego, commence à me casser les couilles des histoires. On peut lui parler, on le trouve où, ce mec? Comment ça commence? Je suis désolé, mais là, ça commence à m'énerver, tu peux me comprendre. Le problème, c'est que je pense vraiment que Diego, vu ce que j'ai dit hier dans les interviews, il voudrait ma tête. Non, mais oui, mais là, le problème, c'est que tu dis beaucoup de choses et beaucoup de gens veulent ta tête. Bon, je vais l'appeler, on va voir. Bah, dites donc. Oui, tu peux ranger cette affaire. C'est bon, t'as réglé le focus? Oui, je règle le focus. Oui, allô? Du coup, bon. C'est pas facile à régler le Vous focus. Allez bien? Bon, écoute, ce Diego... Je sens que la nervosité me s'empare de... Ça commence à... Il faut que tu restes calme, reste calme. Oui, toi, non, mais je suis calme, Sterling. Parce que calme. Tu sais très bien que moi, quand je commence à m'énerver, ça peut être... Non, mais je suis calme, mais ça fait... ça dans la tête tout seul, hein. Non, c'est pas un peu sale ici, quand même. Écarte-toi.
Bonjour, je suis un grand criminel. Oh là là, dis donc, j'ai aucun contrôle. J'ai aucun contrôle. Mais dis donc, comment on arrête ça? Vas-y, secoue-moi ça. Bon, écoute, attends, je vais t'aider un petit peu. Je pense que. Voilà. Beaucoup de champagne dans cette bouteille. Il faut secouer longtemps. Je secoue longtemps. Oh la vache. Je sens que ça vient la coupe. Oh la vache. Je donne de l'élan à la bouteille quand même. Mais pourquoi moi ça part pas? Ça fait des mois que j'ai pas secoué. Oui. Il faut que tu touches le point G. Le point G, tu vas voir, ça sort très vite. Regarde. Quand tu trouves le point G. Oui, d'accord. Bah oui. Oh la vache, ça ne s'arrête plus. Mais oui. Ça ne s'arrête plus, Cooper. Mais parce que t'as trouvé le point G, tu vois. Ça se voit que ça faisait 3 mois quand même. Bon ben voilà. Bah oui. Attends, je secoue. Tu crois qu'elle va revenir, dis donc? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a trouvé une autre. Attention, Cooper Sterling, pardon. J'ai vu aucun contrôle, Sterling. Oui, je ne sais pas. C'est moi, il y a un bruit de voiture. Oui, bah dis donc. Attention les filles. Arrête. Mais dites donc, range-moi ça, s'il te plaît. Excuse-nous. Je la repose. Excuse-nous, on a trouvé une. C'est. Bah, tu sais, quand je. Alors, il y a un énorme problème, tonton. Oui. On est deux. Arrête de dire tonton tout le temps parce que. Non, mais elle a raison. C'est pas tonton, c'est vous deux tontons. Non, tu l'appelles pas tonton. Non, si, elle appelle tonton. Non. Il est nouveau, lui. Bah, je viens d'appeler Diego et le problème, c'est que. Faut que je parle à mes hommes en même temps. Venez. Bonsoir, monsieur. On est en train de faire votre connaissance. Bonsoir, bah attendez. Ah ouais, je sais, allez, merci. Il est très bizarre cet homme, mais en tout cas il est bon, c'est un bel homme.